On fait le point. Hop. Eh ben, on est bon. On est bon. On va aller voir le petit Valou. Petit Valou. Arrête de filmer. Alors, tu vois quoi alors? Il me semble qu'il y a une route là, mais tu vois. Je crois que c'est pas là, regarde. Voilà, tu vois. C'est ici qu'on va aller. Prochain spot dans la forêt. Salut, on est parti pour l'exploration. Du coup, tout ce que je sais, il veut pas m'en dire plus, Valentin, c'est que la route a été coupée pour arriver sur les lieux. Du coup, on va devoir traverser une forêt et on va déjà parler aux gens parce que il s'est passé quand même pas mal de petites choses aux alentours de ce lieu. Et on va voir s'ils ont entendu ou vu quelque chose ou ce qu'on nous a dit, c'est réel ou c'est faux. On verra bien. Ouais, je pense que t'as raison. Ouais. On va essayer de trouver des gens pour vous. Un petit Ouais. peu de reconnaissance et un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Ouais, on n'a même pas fait encore la vidéo, déjà qu'on pense au pouce bleu. Ouais, c'est le business. On monte bien haut. Il y a beaucoup, beaucoup de montées. On va arriver au premier village. Bon ben, je viens de me rendre compte que j'ai pas allumé le son, du coup ça a rien enregistré, j'ai la haine. Alors le monsieur nous a expliqué que auprès de la bergerie en fait il y avait un bois et ce bois eh ben, a été brûlé deux fois en 44 par les Allemands. Du coup, bien gentil qu'il est, le monsieur prend son temps pour nous amener près du chemin. Du coup, il nous a dit qu'il y avait de la route à faire. Donc voilà, je suis un peu les boules, j'ai pas fait fonctionner le son, c'est chiant, ça me saoule. Bon, on se rattrapera. Allez, on le suit. Merci beaucoup, monsieur. Hein. Je vous en prie. Donc, il faut que vous preniez cette piste-là, Ouais. là où il y a un monsieur, où il y a un virage, là où il y a le monsieur avec la voiture, Oui. passage à droite, Très bien. et vous continuez tout droit. C'est au-dessus du village, vous traversez là-bas, D'accord. et vous allez arriver à un moment donné, de toute façon, vous ne pouvez pas le rater, il y a un village abandonné, où il y a Bien sûr, du coup, au en fait, milieu de la forêt. Ouais. le côté sauvage a repris le dessus sur le Voilà, village. tout à fait. Avant, il y avait des grandes terres où cultiver, maintenant il n'y a plus que des arbres, des buissons. Ils n'ont jamais voulu reconstruire le village où il était. À côté de tout ça, y a eu quelques phénomènes? Est-ce que par rapport à ce qui s'est passé, est-ce que les gens, il y a du folklore, quelque chose sur ce village? Il s'est passé des choses, effectivement, ils ont. Et les pauvres, ils étaient là, il y en a quelques-uns qui sont Oh morts. mon Dieu. Horrible. Merci beaucoup, monsieur. Le monsieur, il n'a pas voulu trop nous dire, parce que les personnes âgées, qu'on leur parle un peu de paranormal ou autre, ils sont un peu fermés. Bon, ben, on va monter là, comme il nous a dit, on va aller voir ce village abandonné. On va essayer d'aller dans ce village pour essayer de trouver des informations un peu plus complémentaires sur la bergerie. C'est parti. Tu filmes encore? Ah, je filme. Tu vérifies le son quand même avant. Ouais, le son, c'est bon là. Bonjour. Bonjour, excusez-nous de vous déranger. Est-ce que je peux prendre votre temps? Vous êtes dans le coin, vous vivez ici ou pas? Oui, je vis ici. Ouais. Très bien. On a entendu parler qu'il y avait une bergerie, en fait, un bâtiment, en fait, une espèce qui a été abandonnée, qui avait été laissée à l'abandon. Est-ce que ça vous parle? C'est au-delà du bois, ça. Ouais, d'accord. Au-delà du bois, faites attention, si vous allez au-delà du bois, il faut déjà pas y aller à cette heure-là. D'accord. Parce que la nuit va bientôt tomber. Mais c'est quand même assez raide. Ça passe pas vraiment bien, bien, bien. Mais ouais, faites gaffe. Ouais. Mais attention, attention. On en sait un petit peu plus ou un petit peu moins. Je sais pas ce que t'en penses, mon gros. Assez perplexe. Ouais. Apparemment, pas grand monde est au courant des rumeurs qui circulent. Au courant peut-être, mais
Donc on va aller vérifier ça, on va aller voir ce village, ce fameux village, essayer de se renseigner encore plus avant de pouvoir prendre la route pour cette fameuse bergerie. Du coup, t'as vu, elle a dit que c'est dangereux. Dangereux la nuit. Attention. Regarde ça. Nous, on est là. Et nous, on doit aller là pour aller voir le village. Combien il disait ? À peu près un kilomètre deux, par là. Je vois quelque chose, gros. Ah oui, t'as raison. T'as raison, ça doit être là, le village. Tu te dis, comment que les nazis sont venus là, en fait. Les gars sont venus dans les patelins, perdus, ils ont tout cramé. Ouais. Et là, ce qu'on nous avait dit pour la bergerie, c'est que c'était pareil, elle était détruite, elle était bouffée. Mais ce qui est curieux, c'est que ces gens-là, ils étaient pas au courant alors qu'ils viennent d'ici. Il y a des fondations, il y a tout. Ouais. C'était tout cramé. Tout est dévasté. Alex ? Ouais. Je crois qu'il y a une bestiole. Où ça ? Dans la bergerie là-bas. La bergerie ? Enfin, pas celle qu'on va aller. Il y a un monstre. Je te jure. Il y a un yeti. Je te jure, j'ai filmé là-haut. Il y a quelque chose. Mais c'est... Oh ! C'est un bouquetin ! Gros, fais gaffe, hein ! En plus, on peut rien faire, on est bloqué, hein ! On est bloqué s'il nous charge dessus. Fais gaffe. C'est hyper dangereux. Cache-toi. Est-ce que tu crois qu'on va recroiser des bouquetins ? Mais j'en ai peur là, parce que du coup c'est assez, exaigu. Étroit. Et c'est quand même impressionnant de se dire que tout ça là, ça a été cramé. Il y a ça, là. On voit encore tous les bois cramés. Tu vois ? On arrive en bas du village là. Là il y a une maison juste là. Pas grand chose, ils ont tout détruit. Hein. On passe par le petit chemin là, après on rebousse chemin. C'est parti. Faudrait pas qu'on s'égare, faut encore qu'on trouve le chemin pour descendre à notre bergerie. Ben, les amis, on est dans la merde. Les bouquetins sont encore là. Ça me fait un peu peur. Donc on a réussi à les faire partir. C'est incroyable. On va marcher tout doucement, tranquillement. On va faire gaffe à ce qu'ils nous attaquent pas. J'espère pas qu'on les reverra tout à l'heure. Moi non plus. Qu'est-ce qui se passe ? Regarde là. C'est magnifique. Oh. On a le droit à un beau coucher de soleil. Comme on en voit toujours avant les films d'horreur. Attention, parce que la nuit va bientôt tomber. Mais c'est quand même assez raide. C'est pas vraiment bien. Et ouais, faites gaffe, ouais.